bien choisi. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, j'aime beaucoup ce que je vois. Combien pour une nuit avec moi, je te cache. Quoi? Ne dis rien, je l'ai vu dans le Forbes. En couverture, ça vous a plu? Oui. Combien? 20 dollars. 20. Pourquoi si peu? C'est pour mon verre. Allez, viens, Mia. Oh, voilà qui est nouveau. Je n'ai jamais été rejetée. Elle m'a immédiatement séduite. Oh, je vais probablement rester. Est-ce que tu as perdu la tête? Ok, les gars. Passez une bonne soirée. Attends. Je ne veux pas ta copine. Je te veux toi. Allez, donne ton prix. Vous devriez savoir que tout ne peut pas s'acheter dans cette vie. Allez, Mia, on y va. Mia. Allez. Mais à ce moment-là, je savais que bientôt elle serait à moi. Alors comment as-tu dit qu'il s'appelait? Attends une minute. Oh, toi! C'était donc ton plan pour obtenir ton prix? Non, chérie. Mon plan ne fait que commencer. Ok, les gars, nous allons nous concentrer sur la marge. Le marché change, mais nous pouvons le retourner, d'accord? Juste les chiffres de vente en Amérique du Sud sont... Je vais passer la nuit avec vous. Nous sommes en pleine réunion, là. Qu'il se bouche les oreilles. Ok. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ce délire? Vous allez coucher avec moi ou pas? Les gars, bouchez-vous les oreilles. Quoi? Je ne peux le faire que ce soir. Et j'ai aussi besoin d'un taxi demain matin. Intéressant. Je suis très intrigué. Mais malheureusement, maintenant que vous êtes là, avec vos vêtements bon marché, ces cheveux, ce parfum bon marché, je ne suis plus intéressé, donc c'est un non. Vraiment? Oh, vraiment? Eh bien... Si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous étiez millionnaire? Eh bien alors, mettez ce corps dans une robe qui vous excite. Oups! Les gars, couvrez vos yeux. Eh oh, les gars, vos yeux! Faites ce que vous voulez avec ces cheveux. Mettez un parfum que vous aimeriez sentir sur cette peau. Vous avez dit que vous pouviez acheter n'importe quoi? Alors, achetez-moi une nouvelle apparence. Même quand elle m'a dit qu'elle était à moi, j'avais toujours cette impression qu'elle ne m'appartenait pas. Oh! Eh bien, je dois l'admettre. Tu sais comment vendre. J'achète. Combien? Je pense que nous allons compter... à la fin. Quoi? Harold, petit bâtard. Au moins, t'as fait semblant, hein? Ouh! Mais dès qu'elle est entrée, j'ai été stupéfait. C'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Et tout m'appartenait. Vous avez quartier libre pour aujourd'hui, merci. Tu ne peux pas servir de vin pour ton trophée? Ouais, bien sûr, je suis désolé. Oh, mince. Désolé, j'ai juste... Je devrais être heureux. J'ai créé la poupée parfaite pour moi. Mais pour une raison quelconque, j'étais nerveux en sa présence.
tout est tombé à l'eau. Un gros fiasco. Tes mains ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Juste transférer de l'argent. Oui, juste... Laisse-moi juste... Oh non, 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 non. Laisse-moi le faire moi-même. Je ne veux pas que tu me renverses dessus aussi. Ok, assez de... ces jeux bizarres ou quoi que tu fasses ici. J'ai payé beaucoup d'argent pour toi, d'accord? Une sacrée fortune. Alors arrête de jouer ta Jessica Rabbit. Et fais ce que tu es censé faire ici, d'accord? Eh bien... La grande richesse est vraiment vertigineuse. Commençons à partir du début. Au fait, je m'appelle Kim. Ah, j'aime mieux ça. Je m'appelle Ben. Mais aujourd'hui, tu peux m'appeler Big Ben. Tout est de ta faute. Ce n'est jamais arrivé avant. C'est à cause de tes stupides jeux d'esprit. Je dois toujours être aux commandes, moi, avoir le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Notre petit millionnaire est contrarié. Il s'avère que tout ne s'achète pas avec de l'argent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu crois que j'aime ce style de vie? Payer pour du sexe d'un soir? L'amour d'un soir? Je fais ça uniquement parce que j'en trouverai jamais en vrai. Pourquoi ça? Parce que les gens, quand ils me voient, ils ne voient qu'un portefeuille ambulant. Les filles ne sont jamais intéressées par moi, ma personnalité, mes loisirs, tout ce qui me concerne. Elles veulent seulement être payées. Alors je les paie. Au fait, tu dois toujours me payer pour cette soirée. Bien sûr, je le ferai. Laisse-moi prendre mon portefeuille. Je n'ai pas besoin de ton argent. Quoi? Je veux que tu... que tu me parles de toi. C'est quoi ça? Ce sont mes honoraires. On a discuté toute la nuit. Je n'ai jamais été aussi honnête avec quelqu'un que je l'ai été avec Kim. Elle était spéciale. Et cette soirée n'avait pas de prix. Tu pars déjà? Oui. C'est l'heure d'aller travailler, alors. J'espérais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. Écoute, ne pense pas que c'est à cause d'hier. J'ai aimé notre conversation. Vraiment. Oui, j'ai... J'ai passé une bonne soirée aussi. Moi aussi. Monsieur, tout le monde est en train de vous attendre à la réunion. Je n'ai pas le temps pour ça. Je cherche quelqu'un. Mais, monsieur, nous risquons d'avoir des problèmes. Quels problèmes? Des problèmes d'entreprise, monsieur. Allez, j'ai vu les rapports. Tout a l'air parfait. Avec notre réputation, c'est à cause de l'article. Quel article? C'est quoi ça? Un homme effronté, sûr de lui, qui pense. Derrière l'homme riche et sûr de lui, il y a un homme avec un tas de complexes qui pense qu'il peut tout acheter, une nuit avec lui. Monsieur, elle est journaliste, monsieur. Je pensais avoir trouvé le grand amour.
Mais à la place, on m'a juste pris pour un idiot. Chérie, c'était incroyable. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Oh. Tu t'es bien foutu de moi. L'article est un succès. Oui, il m'a évité d'être viré. Les rédacteurs sont conquis. Génial. Je suis si content que mon humiliation puisse aider ta carrière. Quoi ? Pourquoi t'es comme ça ? Je pensais que t'étais honnête avec moi. Et tu m'as juste utilisé pour ta carrière. Attends. Est-ce que tu l'as lu, l'article ? Oh non, je vais laisser ce plaisir à tes stupides lecteurs. Alors je vais te le lire. C'est un humain. Il a des sentiments, des désirs et des rêves. Je ne lui ai pas laissé mon numéro, mais seulement pour qu'il puisse me retrouver et que nous puissions nous revoir. Ce jour-là, je l'ai détesté et j'ai voulu me venger. Cette nuit-là, je suis tombée amoureuse. Trouve-moi, Ben. Et je sortirai volontiers avec toi à nouveau. J'étais sûr que je ne trouverais jamais le véritable amour et que je devrais me contenter des coups d'un soir. Mais Kim a tout changé. Avec elle, je peux enfin être moi, le vrai moi. Alors, combien pour un rendez-vous ? Une bouteille de vin. Et je verserai. Ok. Joyeux anniversaire, mon fils. C'est quoi ça ? Ça, c'est le meilleur cadeau qu'une mère puisse te faire, chérie. Voilà la vérité, ça fait 3 ans qu'elle t'embrouille la tête. Elle est stérile. C'est écrit ici. Mais où tu as trouvé ça ? Mon amie Meredith, elle travaille à l'hôpital. Mais pourquoi tu me dis tout ça le jour de mon anniversaire ? Il le fallait. Tu n'écoutes jamais quand il s'agit de ta femme. Je veux juste que tu deviennes père. Et fêter ton prochain anniversaire avec ton enfant. Et je pourrai enfin être grand-mère. Maman. Arrête ça. Comment tu as pu ? Oh ! John ! Quel est son problème ? Oh, je ne sais pas, ma chérie. Je n'en ai aucune idée. Trois ans. Ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un bébé. C'est pas la fin du monde. Tu peux toujours adopter. C'est pas la question. Elle m'a menti pendant tout ce temps. Peut-être qu'elle avait peur de te perdre, hein ? Alors son plan a échoué, parce que c'est fini. Relax, mec, relax. C'est ton anniversaire. Pense à autre chose. Non. C'est pas le bon moment. C'est exactement ce qu'il te faut. Elle te fixe depuis genre 10 minutes. Mm-hmm. Salut les gars. Hey ! Salut. C'est quoi cette tête ? C'est l'anniversaire de mon ami et... ses invités ne sont pas venus. Oh, bon anniversaire. Désolée, je n'ai pas de cadeau pour toi. Ta présence est un cadeau ? Oh. Pas vrai ? Allez, on fête ça ensemble ? Oui. Ouais ? Marc, je ne sais pas. Allez ! Mon meilleur ami ne devrait pas être triste pour son anniversaire. Hmm ? Santé ? Santé. Alors, nous y voilà. Oh ! C'est ma tanière juste pour le plaisir. Fais comme chez toi. Merci. C'est pourquoi tout ça ? Parce que tu as besoin d'une distraction, mec. Allez, va la voir. Non, je ferai pas ça, mec. Je connais même pas son nom. Très bien. Comment tu t'appelles, ma belle ? Jane. 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 Maintenant, tu le sais.
Donc, va la voir et je vous laisse seuls tous les deux, d'accord? Vas-y. Bon. Jane. Merci. Où est John? Je ne sais pas. Ne mens pas, il est sûrement avec toi. Je t'en prie, Alice. Alice. C'est pas le bon moment. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends. Plus d'invités. J'espérais qu'on était juste nous deux. Tu veux bien m'expliquer? Non, chérie. Je n'ai pas à m'expliquer. C'est toi qui dois. Mon Dieu, John! Mon Dieu, mais... Tu m'as menti sur ton infertilité. Quelle infertilité? Oh, arrête de faire semblant, j'ai vu les papiers. L'ami de maman, Meredith, elle a eu la gentillesse de me les montrer. Tu es bourré, John, tout ça c'est n'importe quoi. Oh oui, là je suis d'accord avec toi. Toutes ces années, j'ai été amoureux d'une fille qui s'est avérée être une menteuse. C'est n'importe quoi. Il doit y avoir une erreur. Ouais. Notre mariage était une grosse erreur. Je n'ai plus confiance en toi. John. C'est fini. C'est fini. Dégage. Pourquoi? Dégage! Ok. Alors, au revoir les gars. Bon. Je suis désolée, ma belle. J'aimerais pouvoir t'aider, mais c'était la décision de John. Je n'aurais rien pu faire. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. C'est pas ma faute. Je sais, mais c'est arrivé. Ça ne sert à rien de pleurer. Il faut sortir d'ici maintenant, avant que John ne rentre et que tout le scandale éclate. Tu comprends? Madame Dawson. Je suis désolée. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est rien, ma belle. Je t'attends en bas, d'accord? Ok. Mais d'abord, laissez-moi voir ce que vous cachez ici. Pourquoi tu es encore là? Tu aurais dû être partie. Il me reste encore des affaires à régler. C'est John. Meredith, bonjour. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui m'as envoyé un texto. Je ne t'ai rien envoyé. Non. C'est moi. Oh. Meredith... désolée, mais tu ferais mieux de partir. Va directement à la police. Quoi? Falsifier des dossiers médicaux est illégal. Alors d'où vient cette absurdité sur mon infertilité? Mais je ne voulais pas... Je pensais... C'était une blague? C'était juste une blague. Tu trouves ça drôle? D'écrire un diagnostic grave et y apposer un timbre? Mais... tu m'avais pas dit que... Que c'était une blague? Bien sûr que c'était une blague. Une blague. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je veux des petits-enfants. Je t'en prie. Et pendant 3 ans, tu n'as pas pu en faire un.
C'est peut-être à cause de lui. Oh, t'as pas intérêt. Mon fils est en bonne santé. C'est toi. Et là, il a besoin d'une nouvelle Maman, femme. Maman, ça suffit. Je peux décider de quoi j'ai besoin. Chérie, tu n'étais pas censée entendre tout ça. Tu sais que je veux seulement le meilleur pour toi. Vous me rendez tous malades. Oh. Lâche-moi. Je me sens mal. John, s'il te plaît, écoute-moi. Je pensais seulement à ton bien-être. Tu as presque détruit ma vie. De tes propres mains. Ça fait des années, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle doit forcément avoir un problème. Non, c'est toi qui dois avoir un problème, maman. Moi ? Ouais, tu sais, je pense que tu devrais faire tes bagages. Quoi ? Il est temps pour toi de déménager. Et prie Dieu qu'Alice te pardonne pour ta brutalité. Et moi pour ma stupidité. Oh, chérie. Je ne peux pas t'en vouloir. Oh, mon amour. Merci. Je voudrais. Mais je ne peux pas pour des raisons médicales. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis enceinte. Oh ! Vraiment ? C'est incroyable. Oh, je suis tellement un crétin. Ne jure pas devant le bébé. Je peux rester maintenant ? Non. Maman, tu déménages quand même. Mais si vous vous tenez bien et que vous restez en dehors des affaires des gens, on vous laissera voir votre petit enfant.